Et bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui, on se retrouve sur Grocery Store. Alors, on avait pas mal avancé, mais il manque des produits. Enfin non, il manque plus de produits, je crois qu'on a tout mis. Non? Je sais pas. Je sais pas du tout. On va ouvrir, par contre. Je crois qu'on avait tout mis, je crois qu'on s'était arrêté par là. Et qu'on avait tout mis. C'est simple, on va regarder s'il y a combien de produits. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16 et 4, 20, 4, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57 en tout. Ouais. Je vais augmenter le prix de certains produits. Genre ça, je vais mettre à 0,30. Et ça, à 0,80. Alors, je vais essayer une technique d'une personne qui m'a dit ça. Quelqu'un qui m'a dit. En gros, c'est. On regarde là-dedans, on regarde les ordres, et quand on voit en stock que c'est dans le rouge, genre comme là, on en achète. Ah, donc là, la personne en achète 4, donc je vais faire comme elle. Voilà. Puis on verra. Et ça, j'ai plus besoin de ranger. On m'a clairement dit, laisse tomber les. Comment ça s'appelle? Attends, mais. Je dois chaque jour. Bah non. Il est où mon employé? Je devais pas avoir un employé là, à 7h du matin. Ou je l'ai pas vu. Il prend pas déjà sa pause. Il est où l'employé? h 19h. Bah mon gars, je te vire. Hein. D'ailleurs, je vais virer les deux et puis je vais prendre ça en bas dès que j'ai l'argent. Mais comment ça se fait qu'il est pas là? Exactly what I need. Exactly what I need. Ah mais ça commence mal hein. L'employé qui est pas là, c'est super. Attendez, je crois que j'ai mal compris ce que la personne m'a dit qu'elle faisait. Ah oui, je sais à quoi ça sert le compacteur. Ça permet d'avoir des sous quand on jette le carton. Order. Donc là, on est où? C'est toi qui es trop expansive, madame. Voilà. Donc, t'es viré, t'es viré. Toi, je te prends. Et toi aussi. Niveau 8, ça? Ok. Oh
Why is this so expensive? This should do it. Si t'es pas content, tu peux aller voir ailleurs, monsieur. Non, mais ouais. Est-ce qu'on a du cruo là, je sais pas quoi là. Attends, mais je comprends pas en fait. Ça comprend ce qu'il y a dans le magasin, c'est vrai, vous aviez raison. J'ai oublié ce détail. Ok. Bon, je vais faire comme ça. This and I'm out. Just what I need. Why is this so expensive? En fait, je suis en train de réfléchir à la logique de la personne. Je me dis que, en fait, bah oui. Parce que, grosso modo, la personne attend que ça soit dans le rouge. Donc, il va rester des comment ça s'appelle ? Il va rester des produits sur le machin avant que ça soit tout effacé. Ce qui fait que j'ai le temps de commander. Donc j'en commande, je sais pas moi, 9, 8. Je mets tout en magasin. Et puis voilà quoi. Enfin, je sais pas. Je vois ce que ça veut faire, mais. J'ai pris beaucoup de pommes, non? Si c'est trop cher pour toi, ben. Va ailleurs. Ah mais du coup c'est pas le magasin. Enfin ouais. J'ai vu du rouge. Décidément. Ah on m'a dit hop, quelqu'un qui vient du Sénégal. Alors on va prendre le petit flag Sénégal. Flag Sénégal. Sénégal en anglais c'est Sénégal aussi. Je sais pas du tout, hein, je te demande, on peut pas tout savoir dans la vie. PQR Sénégal. Il me faut de l'argent pour mettre d'autres caisses parce que là ils sont en train d'attendre. Ouais ouais. Ok bon, au moins maintenant je sais ce que dans la ligne directrice que je vais prendre. C'est les caisses là. D'ailleurs, Sénégal, il y a une réserve de tortues au Sénégal. Si je dis pas de bêtises. Qui a l'air très très cool. Hein. Ouais, bah, ah oui, non, mais c'est oui. Bah oui, je suis bête. Puisque le restocker. Oh, bah oui. Là, je suis toujours en train de réfléchir à la logique de la personne. Vu que vous savez que moi, ma logique, elle est pas fameuse, hein, on va pas se mentir. Surtout en vidéo, vu que je tourne la vidéo, je pense à la vidéo. Je pense à essayer de bien tout montrer, à bien parler et tout ça. Du coup, je peux oublier pas mal de choses, je peux être tête en l'air. Et ma logique peut être foireuse, quoi. Mais j'avoue en fait que oui, c'est. Sa logique me semble logique. On a du bleu, on a du lait bleu, nous oui, on a du lait bleu, on en a plein. Qu'on va mettre là. Est-ce que c'est trop cher vraiment?
Il y en a qui changent le prix à 25%, mais moi je fais pas assez cher, je pense. Quand même. 2,99, 3,50. Je sais pas. J'arrive, monsieur, j'arrive. Hop, voilà. Genre, toi tu prends ça, du riz, de la farine. Ok, toi tu prends quoi? Ok. Ok. À 19h, normalement, il doit avoir le bus qui arrive. Ok, tu prends du lait, c'est le même prix. Les bleus et... Attends, mais il est où mon... Il est là-bas, lui. Il a du retard. Hey, tu te dépêches, s'il te plaît. Alors, si tu sais pas quoi faire, tu vas remplir. Ouais, ok. Oula, c'est quoi la barre verte en haut? J'avais pas vu. C'est pour lui dire de prendre une pause? Alors, Arthur Good. Pomme verte. Ouais, mais non. On prend que deux, en fait. Bah, mangue, on en a plein. Et pomme rouge aussi. Je comprends rien. Pomme rouge, regardez tout ce que j'ai. Ok. Just what I was after. This looks good. Exactly what I was looking. That's too expensive. Exactly what I need. Hop. On va fermer. Parce qu'il est l'heure. The store is closed. On va aider à ranger. Alors, on m'a dit que le compacteur était très cher. Il était énorme. On va tester ça. On vérifie qu'il n'y a pas de rouge. Donc il a 2 d'expérience. Enfin il a 2 étoiles d'expérience, donc il devrait être plus. Enfin ça devrait mieux marcher quoi. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'il est gros. Il est très haut. On va peut-être devoir récupérer aussi des étagères. Il l'a mis? Il l'a mis ou il vient de le jeter là dans ma gueule là? C'est une blague là? Je sais pas ce qu'il a fait. Ok, il n'arrive pas à la jeter. Très bien, j'ai compris. Ah ouais, d'accord, ok. Je vais mettre ça là. Quoi, c'est pas comme ça? Mais dis pas que c'est par derrière. Bah non, c'est pas derrière. Fais voir. Je peux pas rentrer. Ok, là c'est mieux. Ça marche, Chaco, ça marche.
Tac. Je vais acheter plusieurs étagères et je vais acheter plusieurs produits. Je vais tout mettre dedans. Et puis voilà. Ah, c'est vrai qu'il est hyper gros le bordel là, punaise. Et pourquoi il range pas? Il y a de la place là maintenant. Alors, order good, non, store extension. Étagère de rangement. C'est ça, hein, c'est étagère de rangement. On va en prendre 4 et puis on va faire. On va faire. Voilà. Il est 1h27. Je regarde à sa barre. Est-ce qu'il va tenir 9h sans pause? Enfin, jusqu'à 9h sans pause. Ça serait bien. Alors. On va mettre un là. Voilà. Et voilà, ok. Order good 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va prendre 3 de chaque. On est jusqu'au crousti, ok. Oh merde, pardon monsieur. J'espère que vous n'étiez pas attendu. Hey boss, ready for another great day. Il m'a fait peur, mais il m'a fait peur. Ah mais j'étais pas prêt là, il m'a fait trop peur. J'ai sursauté sur ma chaise là. Ça va plus vite comme ça que de... Tac 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 tac, vous avez compris. Il est 3h43. Ça sert à rien, vas-y. Balance-les n'importe où parce que lui il va les mettre n'importe où. Voilà, moi je vais mettre 40 ans à les chercher après pour les mettre dans le magasin. Je te jure. Puis on peut pas mettre d'étiquette hein, bien sûr là-dessus donc. On en était où? Au rig basmatique. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est à la boîte jaune. Ah, quoi qu'il n'y en a pas besoin d'autant. Hein. Pour la boîte jaune. Vu à l'heure que ça part là. On va être tranquille. Il est quelle heure? 5h17. Ok. Il tient toujours. Parfait. À 9h. Et pourquoi j'ai pris autant de rouge aussi par contre moi? Si je prends pas autant de jaune, c'est pas pour prendre autant de rouge, couille. Je te jure. Et puis j'ai plus rien dans les étagères. C'est super. Enfin j'ai plus de place. Hop, celui-là je vais le mettre.
Tiens bon mon gars, tu vas bientôt partir. Alors, donc le lait, une bière. Par contre les bières, bon, on va en prendre que un de chaque. Deux. Voilà. Donc on est après le carton de lait. On va ouvrir à aux alentours de 8h, je pense, 7h30, 8h. Et ça sera bon. Bah, frère. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, ok. Toi t'as pas le temps, ok. Le gars, il sait que son bus passe, il laisse tout dans son machin. Et tout ton mug. Ready for duty. Okay, let's stock some goods. Donc je peux les exploiter, il y a pas de souci. Ils ont pas besoin de pause. Du coup, on va exploiter à fond. On ouvre à 8h. On va faire un petit journée ensemble. Touloulout. Ah, le temps qu'ils arrivent, allez, hop. Ah non, quoique, on doit attendre. J'ai vu ça à mon Leclerc. Un jour, je suis allé à Leclerc et tout. Bah, vous savez, hein, j'ai mes courses à Leclerc, le mercredi matin, bien sûr. Et donc, j'y vais pour l'ouverture, parce qu'il y a moins de monde et je me sens mieux. Et il était quoi, 8h20, un truc comme ça. 8h20, il y avait des réparations qui étaient en train de se faire, mais à l'intérieur de la galerie marchande. Et donc, je prends mon petit caddie, tout ça. Il y avait une grand-mère, un grand-père devant moi. Ils arrivent devant la porte coulissante, là on s'arrête, on attend l'heure. Bah, la porte coulissante, elle s'ouvre. Tadam, miracle. Elle s'ouvre. Et les grands-parents, ils y vont. Je regarde là, je veux bon bah ça doit être ouvert un peu à l'avance quoi. Et puis on arrive devant l'hôte de caisse d'accueil là. Et elle regarde les grands-parents, elle me regarde moi, elle fait mais comment vous êtes entré? Et puis les personnes âgées disent bah c'est ouvert, la porte là-bas elle est ouverte, on croyait que c'était ouvert. Et elle fait ah non c'est pas encore ouvert. Puis là, elle a fait « Ah, ça doit être les réparateurs qui n'ont pas fermé le machin. » Et du coup, elle nous a fait « Ouais, ça vous dérange d'attendre devant, là, jusqu'à 8h30. » Je fais « Non, c'est bon. » Qu'on a attendu. Voilà. C'est la petite histoire. Bon, je vais aider un peu. Nice. J'aime pas quand il y a des trous. Hop. Donc, on en était où? On était là. 1, 2, 3. Apple, j'en prends pas. Avocat, banane, chou. Prendre chaque. Ça, j'en prends qu'un. Et ça, faudrait que j'en prenne 3. Bon, on est au sucre aux poudres. Heureusement que j'avais dit que le but c'était d'avoir des machins là. J'ai oublié totalement. C'est combien le prix d'un truc là? Caisse automatique 700. Ok, vas-y, on économise maintenant. Allez, Sarah Thompson, je compte sur toi. Pourquoi t'as pas de cheveux, Sarah hein? C'est la mode? Ou c'est parce que le dev ne sait pas faire de cheveux? Je suis curieux, oui, j'aime savoir. Ça te dérange? Peut-être une maladie? Peut-être. J'en suis navré. Ok. Rouge. J'arrive, madame.
Just what I need. Just what I was after. Il me faut des pots de Nutella là, en fait. Je vais en acheter quand même des pots de Nutella là. Order good. Voilà. C'est rigolo, mes planches en bois là, j'aime bien. Faut des crackers. Alors ça c'est pour les mettre maintenant, donc hop. Donc ces crackers, ça là. 2, 3, 4, ouais c'est rouge, ok, je commande. This is just what I need. Just what I was after. Exactly what I was looking for. Just what I was after. Okay. Hop. This numb out seems quite pricey. That's too expensive. Just what I was asked. Yes, found it. Voilà. Exactly what I need. This seems expensive. C'est bon, pas de rouge? Non, pas de rouge. Il n'y a plus d'étu. Ok, encore, ok. Allez, $50 et on achète une autre caisse enregistreuse, enfin caisse automatique. Parfait. Ok. Comme ça. Ok. 17h13. On essaie d'en prendre une autre vite fait. Je vais voir s'il y a du rouge à part les fruits et les légumes. Order, non, non. La poire, on peut. Orange, ouais. J'arrive, madame. Elle va le lâcher? Non.
Elle a lâché, ouais. How are you today, boss? T'attends ton bus? Ok. Et ton repassant? Ok. Ready for duty. Ok, let's stock some goods. Ok. Ça me semble vraiment pas mal du tout. Et on va s'arrêter là. Hop. On va finir que les gens partent. Why is this so expensive? Just what I was after. C'est les fruits et les légumes qui me posent problème. À chaque fois, ils trouvent ça trop expansif. Je vais les diminuer hein, la prochaine fois. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Exactly what I need. Exactly what I need. T'es déjà fatigué à ce point-là, Daniel? T'es sérieux, là? Ne trichez pas sur le poids, hein. Est-ce que j'aurai assez pour prendre une autre machine ou pas? Ah non, faut que je garde l'argent pour payer les employés. Ouais, non, c'est bon, j'ai assez. Enfin, j'apprendrai la prochaine fois. Ok. Bah, c'est cool tout ça. C'est vraiment cool. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.